Je pense sincèrement que l'on ne guérit pas la dépression avec la méditation. En revanche, je pense tout aussi sincèrement que la méditation est une véritable aide lorsque l'on est dans une phase de guérison. Et parce que la méditation m'aide beaucoup en ce moment, j'ai eu envie de partager avec vous une séance de méditation guidée sur le thème de la guérison. Vous pouvez focaliser votre attention sur ma voix pour vous laisser guider, ou bien simplement l'entendre et guider vous-même votre conscience. Je vous invite donc à vous installer confortablement et à fermer les yeux. Dans un premier temps, prenez conscience de votre respiration. Écoutez votre souffle. Imaginez l'air entrer en vous, gonfler vos poumons et répandre l'oxygène partout dans votre corps. Imaginez que dans cet oxygène se trouve une énergie. Une énergie vitale qui elle aussi se répand en vous, dans votre corps tout entier, et vous vitalise. Visualisez cette énergie. Prenez des inspirations lentes et le plus profondes possible. Maintenant que vous êtes connecté à votre souffle, essayez de garder votre respiration en conscience. Essayez de respirer le plus profondément possible tout au long de cette méditation. Par le biais de votre souffle, vous vous êtes connecté à votre corps. Je vous invite donc à le prendre davantage en considération. Tout d'abord, visualisez sans ouvrir les yeux l'environnement qui vous entoure. Le sol ou la chaise sur laquelle vous êtes assis. Représentez-vous dans l'espace. Puis resserrez votre attention sur votre environnement très proche. Le contact du sol ou de ce sur quoi vous êtes assis. La sensation des vêtements que vous portez sur votre peau. Prenez conscience de ces sensations. Et puis laissez-les aller pour vous focaliser uniquement sur votre corps, sur votre enveloppe charnelle. Prenez conscience de son énergie et de sa force. Prenez conscience de tous les pas que votre corps a fait tout au long de votre vie. De tous les hématomes, toutes les plaies qu'il a guéries. Peut-être même des blessures plus graves. Pensez aux maladies dont il vous a débarrassé. Pensez à l'effort qu'il a été capable de fournir lors d'épreuves physiques. Souvenez-vous de tout ce qu'il vous aide à combattre. Le froid, le chaud, la faim, l'épuisement, la maladie. Visualisez toutes ces guérisons, tout ce que vous avez pu surmonter grâce à votre corps. Et soyez reconnaissant. Prenez une profonde inspiration en guise de gratitude pour votre corps. Essayez d'aimer votre corps. Si vous ne vous en sentez pas encore capable, essayez au moins de ressentir de la gratitude et de la bienveillance envers lui. Qu'importe votre état de santé,
Votre corps fait de son mieux pour vous guérir et vous maintenir en vie. Et vous êtes là aujourd'hui. Vous pouvez respirer cet air, sentir l'oxygène se répandre en vous. Prenez un instant pour apprécier la vie qui circule en vous. Prenez une inspiration lente et profonde. Quel que soit votre état psychique actuel, revenir à votre souffle et à votre corps permet d'offrir un peu de repos à votre esprit. On peut avoir tendance à trop se laisser envahir par notre mental, au point d'oublier de se connecter au corps. Alors se focaliser sur son corps est un très bon moyen d'inverser ce processus, et en ce sens, cela aide beaucoup dans la guérison. Reprenez une profonde inspiration et essayez de conserver ce souffle lent et conscient. Imaginez désormais que cette énergie qui entre en vous par la respiration vient se concentrer dans votre tête. Imaginez que cette énergie est lumineuse et vous procure une sensation agréable à l'intérieur de votre crâne. Imaginez que cette énergie vient nettoyer votre esprit de ses pensées négatives, de votre anxiété, de toutes les choses qui polluent votre mental. Imaginez que cette lumière s'écoule ensuite de votre tête et vient emplir votre corps tout entier, jusqu'au bout de vos doigts, jusqu'à vos pieds. Votre corps et votre esprit sont reliés par cette lumière. Plus vous la laissez briller, plus vous renforcez l'un et l'autre. En cet instant, aucune ombre ne résiste à cette lumière. Continuez de respirer profondément pour l'alimenter. Imaginez que votre esprit lumineux habite chaque partie de votre corps, de vos pieds jusqu'à vos genoux, vos hanches, votre ventre, votre cœur, vos poumons, vos épaules, vos coudes, vos poignets, vos mains, vos doigts, votre gorge, votre nuque, votre visage, votre bouche, votre nez, vos yeux, votre tête, votre crâne. Imaginez cet esprit et ce corps solidement reliés et alliés dans la guérison. Et désormais, répétez-vous cette phrase. Chaque jour, je me renforce et je me guéris. Chaque jour, je me renforce et je me guéris. Chaque jour, je me renforce et je me guéris. Inspirez profondément. Gardez à l'esprit cette lumière. Et lorsque vous sentirez que vous avez bien capturé cette lumière en vous, que vous l'avez ancrée dans chacune de vos cellules, ainsi que dans votre esprit, qu'elle fait corps avec vous, vous pouvez ouvrir lentement les yeux. Observez en conscience ce qui vous entoure. Imaginez que vous voyez ce qui vous entoure sous une lumière nouvelle, sous votre propre rayonnement. À nouveau, inspirez profondément. Et si vous vous en sentez capable, pour clore cette méditation, laissez un sourire se dessiner sur vos lèvres,
un sourire discret ou bien un sourire franc. Offrez à votre esprit ce message positif. Laissez pour une fois votre corps guider votre esprit et non l'inverse. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Prenez soin de vous.